Fait coup quoi la caméra? Yo, on est là! Tester Atmosgear, ça pète sa mère! Avec ces roues qui brillent, vas-y roule un petit peu pour faire voir les roues là! Waouh, ça brille! Je te filme de côté! Attention! Putain, je vais filmer tes roues au sol! Vas-y 3-6. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu es en train de faire, Mido? Là je suis en train d'équiper le futur du roller. C'est Haruki. Et du coup bah il est revenu, c'est la deuxième fois qu'il essaye ses rollers. Et là je l'équipe en 40 km/h. Parce que ça y est, il maîtrise, il est trop chaud. It's just like normal. Very fast, ok? C'est, là c'est 40 kilos. Okay. Fort que nous tous réunis. Franchement incroyable. Ça c'est un rider passionné les amis, regardez carrément, il a laissé ça, il voulait tellement pas rendre les rollers. Il a laissé son propre sang. Bah alors? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai t'as essayé commis de un faire... meurtre. Non, j'ai essayé de faire un power slide à 40 km/h. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée que... Est-ce que tu l'as calé au moins? Je l'ai calé, puis après j'ai continué à avancer. Ça, vraiment... Incroyable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était venu l'année dernière, t'avais testé l'ancienne version. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'en penses maintenant? Là, c'est clairement pas pareil. On est passé en niveau... largement au-dessus, je veux dire déjà le poids, la stabilité, la maniabilité, le fait qu'on a beaucoup plus de patates, ça c'est important, on a beaucoup plus de patates. Et ouais, t'es dans le fun, t'as tes rollers, mais ils sont électriques, t'as une assistance qui est dingue, le frein il est fantastique, il est très bien, il faut l'apprivoiser le frein au début. T'avais accélération et marche arrière ou quoi accélération? L'année dernière? Non, là. Là, accélération en marche arrière. Ah, t'avais dit de direct. Bah oui, bah oui. On perd pas de temps. Levez le pied. Là, c'était débridé, je voulais rebrider. Bah ouais, débridé, on a vu, mais monsieur a failli aussi tomber, même pour lui. Hein. Il est tombé d'ailleurs, il s'est fait mal. Non, c'est... Non, vous n'êtes pas tombé là déjà. Non, il saigne de base. Non, c'est... C'est quelqu'un qui saigne comme ça. Non, mais après, il y a quand même... J'ai fait un calme à la route. Non, mais il y a des pieds qui passent et voilà. Est-ce qu'on peut se faire flasher à pied? Je sais pas, faut essayer. Il y a un arc plus loin sur mon destin. On peut y faire une nuit pour Charlotte, s'il vous plaît. Allez, ouais. Les Charlotte qui fait la formation roller à notre grosse entrepreneur. Il lui a donné la capacité de rider ses gros bonus jusqu'à part de Montpellier. A le droit à faire. S'éloigner. Allez.
est là pour la traction, voir si les rollers ils tiennent vraiment le coup. Hop. Quand on est deux. Je fais des tractions. C'est vraiment incroyable. Je vais moi-même craquer d'ici peu. Allez, fais-nous quelque chose. Oh oui, il m'a dit fais quelque chose, je peux lui casser la cheville. Personne n'applaudit. Les amis, c'est la fin de cette deuxième journée du FIS Montpellier édition 2023. On est fatigué mais super content. On a cumulé plus de 150 sessions test en deux jours. Donc vous avez été nombreux à les tester, à nous faire des super retours, notamment ceux qui ont testé la version l'année dernière et la nouvelle. Et petite anecdote, on a vécu la première arrestation d'un Atmos Rider. Pour ceux qui connaissent le manga Air Gear, bah, y a des policiers en roller électrique qui poursuivent des riders en électrique. On est à peu près à 10 intentions d'achat. Donc on compte sur vous, on va checker les stats, mais voilà, il y a 10 personnes à peu près qui ont dit qu'ils étaient super intéressés. Et on se retrouve demain pour une super journée.